Nous venons de lancer les cadres de concertation régionale pour la région de Jigenshor dans le cadre du projet Résilience. Donc, le projet Résilience, c'est un projet qui vise à renforcer la résilience des femmes de la Casamance, dans la région de la Casamance naturelle, et une partie de Tambacounda, la région de Tambacounda. Donc, ce projet vise aussi à renforcer l'offre d'assurance agricole au Sénégal. Donc, on sait que depuis plusieurs années, l'État du Sénégal a mis en place la Compagnie nationale d'assurance agricole au Sénégal et que cette compagnie est en train de développer beaucoup de produits d'assurance pour les producteurs qui, jusqu'à présent, restent méconnus et pas bien adaptés par les producteurs. Donc, le projet travaille aussi à renforcer cela et à expandre l'assurance agricole dans le cadre du Sénégal. Alors ici, on cherche à appuyer aussi les femmes à travers les groupements de femmes, mais surtout aussi comme point d'entrée les coopératives agricoles, comme unité de développement des entreprises agricoles au niveau de chaque département. Et là, avec les coopératives, on appuie ces femmes à mieux développer leur agriculture et pour qu'elles soient plus résilientes face aux changements climatiques qui sévissent actuellement partout dans le monde et surtout dans la Casamance. Oui, ces femmes sont ciblées déjà dans l'ensemble des départements de la région de Jigenshor. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans toutes les trois régions aussi, Sédhiou, Kolda et Tambacounda. Alors ici à Jigenshor, on a déjà choisi les coopératives avec lesquelles nous allons travailler. Donc il y a trois qui ont démarré le travail l'année dernière. Il y a Entente de Djouloulou, la coopérative de Refeka et la coopérative de Oussoui qui est Fado. Et il y a d'autres coopératives aussi qui sont sélectionnées cette année. Donc il y a plusieurs groupements de femmes, je pense une centaine de groupements de femmes qui ont été identifiés à travers ces coopératives dans le cadre du projet Résilience.